Pierrette, bon mardi soir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. On vous écoute. Bon, moi, ma question, c'est que j'ai déjà cotisé à mon CELI de 6 500 pour 2023. Oui. Est-ce que je vais pouvoir prendre un CELI apte en avril de 8 000? Pierrette, avez-vous déjà une maison? J'appelle pas pour moi, j'appelle pour mes petits-enfants. Ah, ben une bonne question pour vos petits-enfants. Pierrette, on va poser la question à Jean-Sébastien Jutras. Il est planificateur financier, collaborateur de l'émission. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux petits-enfants de Pierrette qui ont cotisé au CELI, mais qui se disent peut-être que le CELIAP sera un meilleur véhicule pour accéder à la propriété? Ben, en fait, le CELIAP va être un excellent véhicule pour accéder à la propriété, mais c'est un véhicule qui est indépendant aux autres véhicules que le CELI, que le REER. Donc, le CELIAP en soi a ses droits de cotisation. On a le droit de mettre notre 8 000, mais on aurait le droit également de cotiser notre maximum à notre CELI également, le 6 500. Mais ce qui est important, Pierre-Olivier, tu l'as mentionné, c'est qu'il ne faut pas être propriétaire d'une maison ou l'avoir été dans les 4 dernières années pour ouvrir le compte. Donc, les enfants vont pouvoir prendre cet argent-là qu'ils ont cotisé dans leur CELI et à compter du mois d'avril, se rendre dans une institution financière et faire un transfert dans le CELIAP. Et l'espace du CELI va se régénérer l'année suivante et ils vont avoir une déduction et une cotisation au CELIAP. Exactement. Et le retour du droit CELI va revenir en janvier de l'année suivante. Excellent. Pierrette, est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est parce que je veux garder mon CELI puis en ajouter dans le CELIAP. Ah, vous pourrez le faire tout à fait, hein, parce que, si je comprends bien en terminant, Jean-Sébastien, ce sont deux véhicules qui ont deux plafonds indépendants. C'est pas du tout la même chose. Ben, en fait, c'est parfait comme ça, mais le CELIAP, pour Pierrette, ça va être celui de ses enfants qu'elle va pouvoir cotiser dedans et non pas le sien si elle est déjà propriétaire d'une maison. Merci pour la précision et bonne soirée. Merci.